Affûter les armes avant d'affronter les épreuves préliminaires des examens d'État. Les élèves finalistes ne lésinent pas à jour J-10 dans différentes écoles publiques que privées, l'heure est au préparatif. La simulation est aussi au grand rendez-vous pour préparer les candidats psychologiquement. Tout est fin prêt. Pour les enfants qui vont présenter les examens d'État, nous avons organisé un mini examen d'État. Ils ont commencé les lundis, ils ont fait la dissertation. Le mardi, ils ont fait les épreuves traditionnelles et ils ont terminé le mini-exeta ce jeudi ici. Ceux des options techniques, ça donne la démonstration de la matière apprise que de s'habituer au public pour ne pas paniquer devant le jury le jour de la pratique. Ils sont en train de faire la pratique professionnelle. Vous avez vu vous-même. C'est des nutritions en train de faire sous forme de défense de la pratique, pratique professionnelle. Et les mécaniciens, vous les avez vus en train de vérifier les véhicules, de prendre en charge les véhicules et vérifier les moteurs. Tout ça, c'est pour la pratique professionnelle. Donc, ils sont là en train de préparer la pratique professionnelle. Même en commercial, vous les avez vus, les enfants sont en train d'imprimer les états financiers. Tout ça, c'est dans la préparation de la pratique professionnelle. Ils sont prêts à, je vais dire, à 90%, mais nous continuons avec les réglages. D'ici la semaine prochaine, on va continuer toujours avec les réglages. Et nous pensons et nous certifions que la date venue, ils seront totalement prêts. Le lundi 6 mai prochain, le calendrier scolaire prévoit la dissertation avant de passer aux étapes suivantes, notamment les épreuves traditionnelles, la défense des rapports de stage et l'oral des Français, pour chuter avec la pratique professionnelle.